Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je trouvais plus mon enregistreur d'écran. Donc, me voici sur ma chaîne YouTube, une fois de plus, et c'est reparti dans la série politique, politicos. Il y a du rififi au palais. Et dans les playlists, vous voyez, vous avez communauté, direct, machin, truc, schmilblick. Vous allez donc aller dans les voyances prédictions et vous m'aviez demandé de faire des petites vidéos, merci mes petites étoiles, j'aurais pas pensé moi-même, sur les partis politiques. C'était en octobre 2023. Donc tout à l'heure, je vous ai fait le retour hyper positif pour Monsieur Reconquête. Éric Zemmour, hyper positif, au mot près, à la virgule près. Alors, mon attaché spirituel me dit régulièrement, tu es plus précise qu'une horloge suisse. Et puis, une autre petite étoile, notre cher petit Alexis, m'a fait un retour minuté ce matin. On allait bosser en quatrième vitesse. C'est Monsieur Île Flottante sur la vidéo de Marine, je ne me rappelle plus le nom de son parti politique. Bref, je vais noter les noms des partis politiques avant le journal des Lumineux parce que je crois que je ne vais pas m'en sortir. Donc, vous quittez pas, vous pouvez aller réécouter les vidéos. Je vous colle les extraits que je vous ai mis. Et bien entendu, le lien de la vidéo originale, infalsifiable du mois d'octobre. Bon, après, il faudrait que j'aie le temps de réécouter les autres NUPES, machin, truc, schmilblick. Si vous voulez le faire, ce serait gentil. Vous pouvez me faire des retours. Alors, j'ai une autre petite étoile qui me fait beaucoup de retours sur les voitures électriques. Ce sont des voyances flash prédictions, réforme des retraites, l'hôpital, Gabi Gabi, j'avais vu, le climat, enfin bon, bref. Vous avez toute une palanquée de vidéos qui sont pas tant que ça à regarder. Hein, regardez, je peux pas dire que je fais le buzz, et pourtant, c'est d'une justesse. On ne peut plus, incroyable. Et oui, j'ai le droit de me la péter de temps en temps. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. Ne quittez pas. Soit parce que dans ma profession, il y a des gens qui se sont infiltrés et qui utilisent la cartomancie, la divination, pour manipuler les foules. C'est justement ce que j'essaye de dire depuis longtemps, à ma manière à moi, pour manipuler les foules et les cartes des lecteurs qui vont avec. Donc normalement, on n'a pas le droit de vous influencer. C'est pas parce que vous m'aimez bien, vous me trouvez sympa, gna gna gna, que vous devez voter comme moi. D'ailleurs, personne ne sait pour qui je vote. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le savent, mais je n'en parle pas. Ça m'empêche pas de vous dire que j'ai été gilet jaune, je suis gilet jaune, et que si les gilets jaunes, vous, moi et nous tous, nous nous réveillons tous en même temps, j'y retournerai pas, hein, ça ne m'empêche pas. On y va pour Marine, la grande navigatrice du parti politique RN. Ah, ben ça, c'est son petit jeune homme, hein. Donc ça, je pense que c'est Bardella. Et puis, vous voyez, lui, il passe des informations, il travaille, il est actif. C'est plutôt positif, un 7 de carreau, hein, sur un personnage. Alors, le 7 de carreau, ça peut représenter aussi les actions, l'activité, les concours, les examens, les entretiens d'embauche. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pour le parti politique RN, je regarde, ça fonctionne toujours, mais c'est parfait. Est-ce que tu peux nous dire pour le parti politique RN de la grande navigatrice? Après, dans les tirages que j'avais fait précédemment, moi je ne m'étais pas du tout trompée pour les élections présidentielles ni le avant du avant. Elle a traîné quand même pas mal les casseroles de son père. Enfin bon, bref. Du coup, j'avais prédit qu'elle renommerait son parti, j'avais décrit son logo. Quand j'étais sur Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça avant, j'avais tout décrit. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour... Et son parti politique, parce que jusqu'à présent, c'est encore son parti politique. Ouh là là, il y a du chagrin.
beaucoup de déplacements. Elle est très très impactée par l'actualité actuelle, hein, et pas contente du tout. Et ça monte au créneau, ça monte au créneau. Hein. Elle est très active, hein, avec. Alors lui, je pense qu'il représente l'entité de son père. Voilà, le passé. Là où est située la carte, à droite, représente son père. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On va mettre une carte au milieu. Ah voilà le jeune homme là. Non, c'est encore quelqu'un qui. Ah, c'est son père, ça. C'est marrant, j'étais pas au courant qu'ils s'étaient réconciliés. Peut-être que vous m'en direz plus que j'en sais, j'en sais rien. Mais. Ah, c'est bizarre ça. Elle est là. Super en colère. Elle n'est pas contente du tout. Bah, forcément, vu l'actualité, ce que tu peux me dire pour. Voilà, beaucoup de démarches. Ah, oh, bah, elle remonte. Hein. On voit quand même que. Elle remonte. Elle remonte. Hein. Son parti est stable. De plus en plus stable, d'ailleurs. Elle a l'as de carreau aussi. Hein. J'ai fait le tirage pour la NUPES. Ben, vous pourrez voir là pour ici, pour ceux que ça intéresse, hein, faut que j'en fasse un petit peu aussi pour les gens qui me demandent, on m'a demandé hein, ces tirages-là. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires les tirages que vous voulez que je fasse. Est-ce que tu peux me dire pour. Ah, j'ai une montée des extrêmes. Elle est face quand même à un adversaire qui monte aussi. Hein. On l'a vu à la télé. Je me demande si c'est pas Z. Encore le retour, lui. Je ne savais même pas qu'il était encore là. Ouais, voilà, elle est protégée. Elle a toute une armada de personnes fiables autour d'elle. Hein. Regardez, j'ai pas un pic qui sort. Elle a des personnes très stables, hein, des entités masculines, beaucoup. Bah, vous les connaissez, on les voit maintenant. Je l'avais prédit, hein, l'arrivée du jeune homme, hein, qui était comme un fils pour elle. Je me rappelle, elle lui-même avait dit, tu verras, c'est comme un fils pour elle et elle va tout lui léguer, tout son savoir. Bah, jamais il la trahira, jamais. J'ai pas de trahison pour elle. Est-ce que tu peux me dire pour. Elle a bon espoir hein, pour lui. Hein. Elle met beaucoup d'espoir dans la jeunesse, hein, beaucoup. Beaucoup d'espoir, c'est pas là, c'est pas les rois. Beaucoup d'espoir dans la jeunesse. Ah ouais, bah, vous allez voir qu'elle va retrouver toutes ses lumières. Hein. Abandon, pas de capitaine au navire, enfin bon, c'est la cata. On va retrouver toutes ses lumières. Et avec la montée là, des extrêmes, avec tout ce qui s'est passé, la France à l'abandon, pas de capitaine au navire, enfin bon, c'est la catastrophe avec les attentats et tout, elle va monter. Hein. Et elle va beaucoup plaire, beaucoup, beaucoup. Et elle y va là, elle y va, vous allez la voir, hein, énormément. Bon, je l'avais prédit, hein. Vous pouvez remonter dans mes vidéos. Je sais qu'il y a des dizaines de vidéos parce qu'ils se copient les uns les autres, les youtubeurs, les youtubeuses qui utilisent les cartes pour gagner de l'argent pour YouTube. Moi, je suis pas youtubeuse, je m'en fous, je fais ce que je veux de ma vie. Et je travaille en plus énormément à côté. Ils avaient tous dit qu'elle partait chez elle avec ses chats, qu'on la verrait pas. Moi, j'ai dit non, non, elle sera encore là au troisième tour. Et jamais cette femme n'abandonnera. Elle a trop d'estime pour tout le travail du passé. Ah ouais, on dirait que ça va mieux. Mais c'est personnel ça, donc j'ai pas envie d'en parler. J'en parlerai pas. Parce que je respecte les gens, hein. Je fouille pas dans la vie ni d'Emile ni de Lina. C'était pas la peine, ça avait pas lieu d'être. J'aurais pu être youtubeuse tout à coup d'un seul coup. Vous avez vu, il y en a qui sont sortis de nulle part, ils ont fait le buzz. Hein. Des 80K de vues, 100K de vues, j'ai dit non, je ne viendrai pas faire de vidéo ni sur l'enfant disparu de l'un, ni sur l'enfant disparu de l'autre, parce que si c'était mes enfants, je ne voudrais pas qu'on fasse ça, je serais capable de devenir méchante. Je ne veux pas devenir méchante. Et du coup, j'avais raison, parce qu'il n'y a rien à dire. N'y a rien à dire. Donc. Il y a eu des coups de canif, hein. Elle en prendra encore des coups. Hein. Et de la tristesse pour la France, beaucoup. Est-ce que tu peux me dire? Je vais recouvrir avec le Jack.
Ah ouais, non. Son parti va tourner. Hein. Elle monte. Hein. Elle va monter beaucoup dans les sondages. On va la revoir, on va l'entendre. Ah bah fallait bien qu'il y ait un traître à un moment donné. Non, c'est pas un traître, c'est un homme de loi. Je pense qu'elle a. Oui, c'est une ancienne avocate aussi. Je pense qu'elle a gardé beaucoup de contacts dans le milieu de la justice ou dans les milieux ministériels. Bon, là, c'est pas la cartomancie, hein. Je pense qu'elle est en train d'asseoir, hein, le pouvoir de son parti politique, de son entité, c'est une entité, son parti politique a son entité, il a son propre égrégore d'ailleurs. Elle a reconstruit un égrégore sur ce parti politique et elle continue de l'alimenter. De toute façon, elle ne surfe pas sur des mensonges, elle surfe sur des états des lieux tout simples que nous sommes tous en train de faire de toute façon, hein. Donc là, elle est en train de se faire de nouveaux amis et elle a bon espoir qu'il se rallie à l'entité de son parti politique. Je vous dis ce que j'entends par contre, hein. Ah bah oui, hein. Oh, j'ai de la jeunesse, hein. Ils partent dans toutes les directions. Je vais recouvrir. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir parce que vous m'avez demandé ce genre de tirage. Alors, ce que tu peux me dire pour le RN Marine, il y a des gens qui vont venir chez elle, des gens très très haut placés, qui vont rejoindre son parti politique qui va beaucoup monter. Je pense qu'elle va se représenter. En tout cas, si c'est pas elle, c'est le jeune homme. Mais elle hésite encore, c'est pas encore bien dessiné, vous voyez. Ça, pour ça, il faudrait que je prenne les tarots et l'écriture automatique. Mais je pense qu'ils vous le diront pas maintenant parce que c'est pas une information à recevoir maintenant, elle n'est pas utile. Vous savez, les guides, les enseignants spirituels, les profs, les galactiques, ils le disent toujours, hein. Si c'est pas utile, on dira rien. Pour ça que je vous dis qu'on peut pas être youtubeur avec la cartomancie. Bah, pas du tout. C'est pas fait pour ça. Ah ouais, il y a une union, hein. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas des parties, d'autres parties, qui vont la rejoindre. En fait, j'ai des personnes d'autres horizons qui vont la rejoindre. Et qui vont rejoindre son discours. Ou tout du moins, s'ils ne la rejoignent pas, ils vont avoir le même discours qu'elle. Est-ce que tu peux me dire pour. Parce que